satisfait par la marque d'attachement et d'affection que la population vient de manifester à celle qu'ils appellent affectueusement Maman Aro, qui porte ses enfants dans son cœur, et ses enfants sont en train de manifester la traduction de cet attachement en son égard. Merci. Une foule incontestable envahit le port et aussi, répondant à l'appel des Polk. Initiative Plus, Olive Lembe Kabila. Vieux, jeunes, femmes et enfants, tous confondus. Que les chrétiens doivent être là pour soutenir ce qui est en train d'être fait pour la République. Donc, on ne peut pas trouver un chrétien qui est contre la République. Nous sommes venus, nous sommes des pasteurs, nous ne sommes ni de l'opposition, ni de la majorité, mais nous soutenons le pays. Et de la même manière que nous soutenons ce qu'Olive Lembe est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Un accueil qui se témoigne par la chaleur, exprimée visiblement à travers les chants, cris et danses, pour la seule qui est désormais appelée Maman Waro, Olive Lembe Kabila. Et soudain, le peuple réclama le sage. Et comme c'est le mois de la femme, à ce rendez-vous, les mamans comme d'hab sont à la première ligne. Ils peuvent pas retenir leur joie. Oh non. Bien bien maman Olive Lembe. Ah, batikayo maman. Maman Ro, maman Olive Lembe Kabila. Le peuple congolais vous porte aussi dans leur cœur. Mina les merci maman Olive Lembe. Vous resterez à jamais. À jamais. Mien ko nyuma yake mpaka mwisho. Maman Ro. Maman Olive Lembe. Encouragez-vous kabisa.